systeme ya kuizanguka tuenabingula mu nkumbu ya butatu bua nlongo yeva enfumu etu mwanda kongo yevo kua bakulu beto baau banunga mu nzila kongo bena kuau kuna mpemba batata yeba mama mpova tuenavovula mu ntangu yayi kasi mono enatamuna vinu diadi mutonda bakulu beto baau banunga mu nzila bukongo yevo nzila kongo bena kuau kuna mpemba banua kuau

Kongo lompev ya Bukongo kafuti ya lanto tomia Kongo ko. Mundinga falansaye bavovela boabu. Celui qui n'a pas l'esprit du Bukongo ne peut pas régner ou gouverner sur les terres du Kongo. Bavotu luvova mundinga beto yakimpev ya Bukongo. Wazolo vida muzaiyai vedi santo tomia aku. Ndinga aku lusansu lwaku. Si tu veux te perdre dans ce monde et t'égarrer dans ce monde Père alors ta langue, ton identité culturelle et ta terre. Sweka, kumbwa makinganga, Ça veut dire tout simplement protège et ne donne pas la nourriture sainte aux chiens étrangers. Cela veut dire tout simplement que tu n'es pas initié on ne peut pas on peut pas t'ouvrir les portes de la, du savoir divin, divin plutôt du boukongo ayaka mm ma -hmm. vimpi, euh, mavimpi 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 matondo mamingi mes chers frères chers sœurs chers mpangi vous qui êtes avec nous euh, sur cette chaîne système Yakuzanguka, vous êtes en direct du Royaume Congo, Congo avec A. Et aujourd'hui, euh, nous sommes connectés à la sagesse, à l'esprit Congo, à travers notre très cher grand frère Moutaluka Yazou. Et aujourd'hui, il va aborder un aspect du Royaume Congo, en tout cas de la tradition Congo, du peuple Congo, qui euh, nous interpelle, nous interloque. Comment se fait-il que ce grand, ce puissant empire, Congo, a pu connaître la déchéance Comment se fait-il que ce royaume qui était tant magnifié par, euh, de, par plusieurs personnes, de génération en génération, comment se fait-il que cet empire si ce puissant a pu péricliter A pu... Connaître la déchéance, comment on a pu transformer sa population, le peuple Congo, en esclavage. Euh, esclavage. Moutalou Kayazou, je vous vois, je sens qu'il y a un esprit. Dites-nous, Moutalou ce déclin du royaume Congo est venu d'où De qui Comment Pourquoi On veut savoir. Ah, Maton de Tat.

tout est question de savoir faire et de savoir observer. Mmh. Quand on a commencé à parler, j'ai donné un proverbe du bukongo Congo. Kondo l'homme PVA Boukou Congo, Kongo Ko. Ma vovele l'unda madia makimpeve Kumboza. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que... Ne donne pas la nourriture sacrée aux chiens étrangers. Celui qui n'a pas l'esprit Congo, du bout Congo, ne peut pas gouverner nos terres. Euh, c'est des principes. D'accord. Eh bien, tel ou ou Sincèrement, d'initiation. Ça veut dire que. Ou Kwa quoi Qu'est-ce que ça veut dire, cela Ça veut que ce qu'on s'était dit, c'est une parole donnée, on ne change pas. Ah, donc, si je comprends bien, il y a eu euh, trahison, il y a, il y a eu des gens ou une personne ou une, euh, un groupe de gens qui a trahi le serment. Il oui, est, il est on n'a pas respecté l'étranger, plutôt on n'a pas respecté le serment. le serment. Plus on dit que celui qui n'a pas l'esprit du Bukong, c'est-à-dire l'esprit de, de la haute spiritualité Congo, ne lui donnait pas, Il ne peut pas gouverner. gouverner. Mais nous, on a donné le règne, les clés du royaume Congo aux étrangers qui sont les blancs, les, les Portugais qui sont arrivés. C'est eux après qu'ils nommaient même des rois. Mais dès cet instant même, certains notre roi accepté de se faire chrétien. Ça veut dire que il a tourné dos à sa tradition, à sa culture. Pour, il est devenu chrétien. Pour être euh, donc concret dans les faits. Mm. Parce que si on parle faits. Mm. ce sont des faits historiques. Oui. Quand on dit nous, on a donné. Et le roi a fait. C'est le c'est quelle personne, c'est quel roi qui a en premier trahi ce serment. Le Nous zingangouvo, wateka Congo, que Bamilele. Alors quand on dit il a vendu le rhum Congo, bon, c'est pas dans ce sens là que c'est pas, c'est pas que c'est un revers. Maté dit bon, je veux vendre le rhum Congo. Le non, Kongo non, Kongo. non 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 non. D'accord. Il faut expliquer un peu cela. Il y a, il y a un principe vrai. Congo qui dit que rata du lombo boananzabu bote kadifutia te la ma kou, kadifutia zingilako. Ça peut pas rester longtemps. Ça veut dire qu'un village qui ne reçoit pas bien un étranger ne peut pas, ne peut pas rester encore en existence. Mm -hmm. Ce qui fait que chez le Congo, accueillir est vraiment dans notre ADN. Sauf que le Congo confond une chose c'est la, la, la gentillesse et la naïveté. Trop gentil, on peut finir à être naïf. naïf. Et nous, quand on a reçu l'homme blanc, nous l'avons tellement écouté avec un peu de, pas des complexes, mais avec un sens d'ouverture, sans le discernement de vouloir prendre la culture de l'homme blanc. Parce que notre roi avait un sens d'ouverture comme tous les Congos. Il voulait acquérir la connaissance de l'homme blanc. Mais lui, ce n'est pas qu'il avait tort, mais c'est normal. Quand tu veux aller plus loin, c'est mieux que tu puisses t'armer de plusieurs possibilités, de plusieurs éléments. C'est-à-dire que si l'océan est si grand, mais c'est parce qu'il y a eu l'affluence, c'est-à-dire que le, la rencontre la, la de plusieurs rivières de plusieurs affluents. Mm -hmm. Et donc, notre roi, il a ouvert une porte, mais sauf que lorsqu'il ouvre la porte, les Kadiam Pemba, c'est-à-dire que les gens de mauvais esprit ont profité et ils ont fait le pire. Et c'est là qu'il demande, ça c'est le côté où il avait faussé, qu'il avait demandé à, au bon nombre de Congos avec K, que Congo bah d'abandonner leur tradition et d'adhérer, pas d'abandonner à 100%, mais puisque les Blancs leur ont fait comprendre que ce que vous avez là, ce que vous appelez les, ce qu'on appelle les gris-gris, les, gris, les fétiches, mais, les fétiches, les... mais en fait, y a l'alchimie, une part de notre alchimie Congo, que ça va nous emmener à l'enfer. Parce mmh. que la peur, la peur, c'est le commencement de l'échec. Notre roi, Nzinganku avait consommé tellement la peur que les Blancs avaient installée dans, dans sa tête qu'il a commencé à voir, à croire à ce que les Blancs lui disaient. Il a demandé à tout le monde d'abandonner. Mais certains n'avaient pas abandonné. Commencé à pratiquer. Donc, donc le roi, Nzinganku, lui-même, il s'était converti. Ah au oui, il était devenu chrétien. Et puis il a demandé aux autres aussi au, de au faire la même chose. Ah, Et certains se sont dit non. C'est là où maintenant la spiritualité congolaise Congo va se pratiquer dans la clandestinité tel que le kimpassi, le lema, le kikimba, tout ça. Parce Pas que, que. c'était maintenant interdit et les blancs travaillaient là-dessus. Oui, même pour preuve, nous avons un exemple palpable, c'est la mort de Kimpa Mvita, qui est revenue à la tradition. Et donc, quand nous avons accepté, donc nous avons donné les clés, nous avons ouvert les mansueki ma -e aux blancs. C'est-à-dire que ce qui était caché spirituellement, nous avons donné des secrets à l'homme blanc. À Prenons l'exemple. C'est sûr que lorsque le roi s'est fait chrétien, mmh. on lui avait demandé de donner ce que les Blancs appelaient des gris-gris. Mmh. Mmh. Donc, c est, c est, il, il s'est livré, livré sans se rendre compte. Mmh. Et, et la par, la même, euh, par le même fait, il a livré aussi le, roi et le aussi, royaume. Le royaume, justement. Parce que c'est lui qui détenait, qui était dépositaire du pouvoir. De bien la sûr. Actuelle. Mais par contre, la puissance spirituelle, il n'a pas en, livré. en le faisant, est-ce qu'il était conscient est-ce qu'il était conscient du fait qu'il était en train de vendre son. Je crois qu'il n'y a pas eu cette conscience en lui. Non, il n'avait pas cette conscience. C'était dans le boukong, dans l'esprit Un Sens d'ouverture. D'ouverture. Aller vers le modernisme. Voilà, si on peut appeler ça comme ça. C'est comme quelqu'un, c'est comme un Africain qui se dépigmente. Est-ce qu'il se rend compte qu'il est en train de se livrer Qu'il est en train de maudire sa peau Il se la peau. Voilà. Est-ce qu'il se rend compte qu'il est en train de dire à Dieu, à que tu m'as donné une peau qui. Voilà. Une mauvaise peau. Mais non c'est lui, ah, okay. c'est lui qui pratique mm -hmm. euh, cette dégradation de la peau. N'y pense mm -hmm. pas comme ça. Mm -hmm. Pour lui, non, mm -hmm. euh, c'est normal parce que mal. je trouve que cette peau n'est pas bonne. N'est pas bonne, elle pas belle. Il faut aller vers euh, l'amélioration, mm -hmm. voilà, c'est mm -hmm. tout. Bien par bien par bien contre. contre, culturellement, c'est un symbole de honte. Mm -hmm. Et donc, qu'on vous ça yeah. et donc, il oblige les autres. Mais plutôt, euh, ouais, Nzingoungou. Mm -hmm. Par contre, Nzingoungou accepte politiquement. Un peu sociologiquement, mais pas spirituellement. Pas spirituellement. Parce que Ndi Ngangu, vous n'êtes pas le roi de la spiritualité. Le garant de la spiritualité, c'est Nsakunemvunda. Nsakunemvunda. Si on peut parler de deux rois, lui, il était le roi spirituel. Donc, lui, non, il avait dit non. Mais ah. étant donné qu'il y a des armes, même si vous dites non, on peut vous tirer dessus. Mmh. Et alors, vous allez dire, ah ouais, mais nous, on avait une puissance. Mais oui, on avait une puissance. Mm -hmm. Mais qui l'entoure, qui l'emboie, akuzungambulu akunoyo. Tu y l'as en bwanizenga yentila. Qui l'entoure, qui l'emboie, ça sont français. En mm -hmm. Congo, akuzungambulu akunoyo. Tu y l'as en bwanizenga C'est lui qui élève le chien seul. Celui-là connaît le secret et les dimensions de la queue et comment couper la mm -hmm. queue d'un chien. Donc, c'est sûr que les adeptes de Nzingankuvo, sans doute, certains ont été assassinés. On était assassinés quand tu voulais dire non, on les tirait dessus. Mm -hmm. Et tu vois. Tout à fait. Et avant, avant de les prendre, sans doute, on, ils étaient livrés. C'est comme les le, le Kimbangu ont été trahis. C'est comme Mamakimbam hum Ma Vita. Hum. Même notre roi, à la bataille d'Ombouila, c'est lui qui viendra après, 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 après Nzingankouvou. Là, parlons de la bataille d'ambouila, mmh. On a étudié à l'école euh, le Royaume-Congo, la bataille d'ambouila, Je crois que c'était une bataille décisive dans la, le déclin du Royaume-Congo, cette bataille-là. Est-ce que mais, vous pouvez nous, nous en parler mais Bien sûr, mais moi, je laisserai bien cette place aux historiens. Je demanderai aux gens de beaucoup le consulter, mais je vais vous donner un peu l'aperçu. Mmh. La bataille d'ambouila, si on l'avait gagnée, le Royaume-Congo serait debout. Elle opposait les Portugais, Portugais au, Congo. au Congo. Mais sauf que je crois qu'il y avait une... Enfin, vous me direz, hein, c'est oui. sous votre contrôle. Mmh. Il y avait une portion des, des, des Congos, quelques Congos en tout cas, qui étaient du côté des mais, Portugais, me semble-t-il. Mais Muta, je, je sais Muta, pas, moi mon <laughs> grand-père, Tata <laughs> Komeka, dont je salue ici, Très bien. avait la capacité de transformer la fumée en corde et arpenter un arbre. Euh... On avait la puissance de l'invisibilité. Mais j'ai vu Mbuta, tu vas que, comprendre. Qu'est-ce que tu nous racontes On là. avait la position de l'invisibilité. Invisibilité. On avait les Binzan C'est-à-dire que ce qu'on appelle oui, les Binzan Mbuta. Le pouvoir d'invisibilité, autrement dit en Congo, le Mpini. Pini. Le mpini. Mpini Zabaneto. C'est bien vrai. Bien sûr, on pouvait crier Ah Quelqu'un se retrouvait de l'autre côté. Il pouvait, il pouvait se déporter de l'autre côté. Et alors, pourquoi avec tout, tout ce que tu as fait tu vas oui, comprendre. Justement. Même les Makubungu. cest à que la puissance de la solidification du corps, on peut te tirer par n'importe quel fusil. En tout cas, tu sentiras un... rien. Les Makubungu. Les Makubungu. Mmh. Mais Ça donne seulement... aussi la force physique, parce que je me souviens... Mais bien souviens, sûr, mais bien, bien sûr. Le Moutou les On nous faisait des scarifications. Exactement, exactement. Système